Je lance le live ici pour interpeller les gens qui, surtout des teams, pour interpeller les gens des teams. Parce que tout le temps, vous êtes toujours en train de mettre vos leaders dans les problèmes. Vous mettez vos leaders dans les problèmes. Voilà maintenant. Même si, soyez stratège. Oui, maman, j'ai compris. J'ai compris. Soyez stratège. Même si vous supportez les gens, je viens vous parler. Même si vous supportez les gens avec stratégie. Surtout quand vous voulez nourrir vos blogs là. Ne ramenez pas le nom de vos leaders dans vos guéguerres. Voilà ça. En partant pour faire un faux buzz, regarde ce que ça a déclenché. Et ça a déclenché parce que tu pouvais faire ton faux buzz avec tes copines, tes copinous, tes sistous là. Tes copinous, tes sistous de ta génération. Mais tu as ramené les noms des leaders. Voilà les conséquences. Préparez-vous à aller en guerre. On vient de vous déclarer la guerre. Soit vous allez en guerre, soit vous restez sans parler. Parce qu'ils ont dit que, comme vous l'avez la tête percée là, et ce n'est pas vous que ça doit toucher, c'est vos leaders. Donc, en faisant les choses, mes gens, les gens des petits tchotchoris là, réfléchissez. C'est pour ça qu'on dit que quand quelqu'un vous dépend même d'un an, respectez la personne. Moi, je suis venu ici là, j'ai défendu mes gens. Après, quand il n'y avait plus les problèmes, moi, j'ai laissé tomber parce que quand tu continues, ça fait que depuis que Christian de Monantiel, Sandra, Rose et autres insultent Fleur et ce que Mafo a insulté Ngosa. Mais toi-même, tu sais que c'est pas comme ça que ça marche, Yam. C'est pas comme ça que ça marche. Je t'aime aujourd'hui, on te fait quelque chose, je viens, je t'insulte, j'insulte à ton nom. C'est comme ça que ça marche, non, ma? Comment tu es sur Facebook, tu fais comme si tu ne connais pas Facebook. Priscaline, là. Oui? Priscaline, là, c'est elle qui a prononcé. Va voir la coupure que Priscaline a fait. Parce qu'elle-même, elle a mis ça, c'est là-bas que j'ai bien écouté. Va voir. Ne menez plus le nom de vos leaders dans vos conneries. Ils ont dit qu'ils ne sont plus dedans. Mais tous les jours, vous amenez les noms. Ça ne va pas prendre que vos leaders. Hein? Parce que quand l'engosa donne le médicament des malheurs perpétuels, ça prend beaucoup de personnes. Ce n'est pas qu'on a peur de son médicament, mais il faut éviter. Surtout qu'on est au dernier tournage. On est au dernier virage de 2 novembre. Réfléchissez. Réfléchissez. Ils sont au dernier tournage. Elle est au dernier tournage de 2 novembre. Vous partez chercher les problèmes. Mais il ne faut pas dire ça. Comment je t'appelle même là? Kalaba. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Voilà là les choses que vous parlez, vous ne comprenez pas ce que elle dit que c'est parce que elle a compris que Priscaline insultait que elle est abeille. C'est comme si c'est maintenant qu'elle vient de comprendre qu'elle est abeille. Tu comprends un peu non? C'est maintenant peut-être que c'est maintenant qu'elle vient d'être au courant que Priscaline est abeille. Est-ce qu'elle était fâchée quand Priscaline l'insultait? C'est parce que Priscaline a dit que maman, il faut les grands abeilles. Et elle a prononcé le nom d'une association là qu'elle connaît. Elle connaît. Elle a marché avec vos querelles, non? Arrête ça, l'autre. Ça n'aide pas maman, faut ce que tu écris là. Vous êtes au deuxième. Moi, je viens vous dire là que vous êtes au dernier virage. Je parle à Céline Mbopi. Mbopi qui est au Cameroun là. Parce que je viens aussi de voir que elle a... Elle a dit qu'aujourd'hui, il y a, comment on appelle là?
Parce que moi-même, si elle me prononce là-bas, je vais vous insulter tous. C'est comme ça sur Facebook et pas autrement. Ça, c'est le dernier. Je viens parler à Mbopi. Ça, c'est le dernier virage pour le 2 novembre. Dernier virage. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Tout ça a commencé qu'avec Mbopi. Il faut qu'on se dise la vérité. Si Mbopi n'avait pas mis la vidéo de Priscaline là où elle pleurait, c'est qu'il n'y a pas tous ces mini-minages. Hein? On est d'accord? Donc, je viens dire à Mbopi ici, comme sa bouche là, comme elle est derrière ma faut pour la détruire, mais vous ne voyez même pas là. Ça, c'est le dernier virage de cette femme. Elle n'en a pas besoin de vos rancunes à deux balles. Vous faites ça qu'après le 2 novembre, ça va vous engager. Mais maintenant là, mais ils insultent Mafo. Parce que vous insultez Ngossa Norma. Arrêtez ça. Mante poivre. On est d'accord que tout part du fait du sale buzz que Priscaline a voulu instaurer. Non? Et qu'elle a prononcé le nom de Monanchele et le nom de Mafo et le nom d'une association. On est d'accord? Moi, ce n'est même pas tout ça mon problème. Je dis seulement que, ne dis pas que ça ne souffre de rien. Laissez souvent ce que vous dites là. Je vous dis que faites attention. Parce qu'il y a les choses qui peuvent sortir du côté de Ngossa qui choquent. Peut-être que 2-3 personnes désistent cette soirée. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Elle a dit que personne ne l'insulte. Ne l'insultez pas. Vous pouvez l'insulter après le 2 novembre si vous aimez votre mafo là. Arrêtez-moi. Je suis malade. C'est pour ça que vous faites des gens crier. Vos commentaires à deux balles là, ne me faites pas crier. Je ne suis pas en santé. Je ne suis pas en santé. C'est juste que moi, j'ai vu. Et si je reste comme ça, laisse ça, Catherine Chou. Nicolas, je laisse quoi? Pourquoi pas l'insulter? Allez insulter alors. Vous êtes fort, non? Allez insulter. Allez donc insulter. Quittez ici. Allez insulter. Allez faire les postes. Vous insultez. Allez-y. Vous êtes fort, non? Vous êtes fort. C'est ce que vous vous dites. Allez insulter. Et je vais vous mettre au courant ici que n'oubliez pas que ces deux personnes-là ont partagé les secrets. Allez insulter. C'est sur mon live ici que... C'est sur mon live ici que... Donc dit calmer les choses, c'est donner de l'importance. Ah, merci ma mère. Toi au moins tu es là. Franchement. C'est vrai, hein? Vous ne savez pas que quand quelqu'un vous gifle même, apprenez à donner l'autre côté. Quand on gifle et vous faites ce que vous avez à faire avant de venir au compte. Hein? Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Coucou. Bonjour ma chérie. C'est une femme. Bonjour ma belle. Bonjour. Tu vas mieux. Hier, l'affaire de faux buzz m'a mis au lieu. Non. Tous les non. Je demande, vous avez mettre les organes. Est-ce que tu penses même d'abord à ta propre santé? Moi, je suis parentière. Tu comprends, non? Moi, je mets les organes. Non, ne mets plus les organes dans la main. Quand on joue avec mes émotions, Priscaline a joué avec mes émotions. J'étais vraiment mal pour elle. Elle m'a juste à prier. Mais tu sais, que Priscaline, elle a d'abord une nouvelle page qu'il faut, elle veut les abonner. Non, même si on a une nouvelle page, mais elle est déjà quelqu'un qui est connu, elle vient seulement dire que abonnez-vous, ce qui est certain, on va s'abonner. Catherine Chou, vraiment, c'est ce qui prouve que vous êtes nouveau dans le fait. Tu crois qu'une comme moi, je vais ramener une nouvelle page ici, je vais encore chercher que le buzz. C'est toi, maman, c'est toi. C'est Catherine, c'est toi. Si c'est toi, tu ne vas pas faire pareil qu'elle.
elle a sa manière de revenir dans les réseaux sociaux. À un moment, on l'avait un peu oublié. C'est tout à fait normal qu'elle crée son buzz comme elle veut. Quant à l'histoire de Ngossa, ça la porte, donc ça la bénéficie seule. Elle a mis les solutions des mamans qui sont malades. J'ai dit qu'on m'a appelé ça. On m'a appelé du Cameroun. Ok. Oui. Hey, vous avez mis les organes. Oui, oui, oui. Ma, tu sais ce qu'on appelle déportation. Non, elle avait, on ne l'a pas déporté. Quant à l'histoire de Ngossa, tu sais, Catherine, ça ne fait pas 2 semaines qu'on Ngossa fait un direct et dit dans son direct que votre mafo était venue ici, dit qu'elle n'envoie personne clasher pour elle. Je dis, ça ne fait pas 2 semaines. C'est parce que je ne connais pas fouiller les directs. Elle a dit, mafo, vous avez dit ici qu'elle n'envoie personne clasher pour elle. Donc, elle ne cherche pas le raccourci pour clasher mafo. Si elle veut clasher mafo, hein, qu'elle clash. Elle prend la lâcheté juste pour passer par la Lyon et par Priscaline. Si elle veut clasher mafo, qu'elle clash. Qu'elle clash. Mafo a dit ici là que je ne réponds à personne et même s'il faut répondre, je reviens après le 2 novembre. Quand vous parlez de ça, vous dites qu'il faut vous calmer, mais vous lui donnez trop d'importance. Mmh. Et vous savez même ce que les femmes là ont mené comme guerre. Ça, c'est ta réflexion, mante poivre. Ça, c'est ta réflexion. Comme la même chose tout à l'heure, non, ma belle. Tu as mis les organes parce que ça te faisait mal ce que Priscaline a fait, non. Mmh. Tu as dit que comment elle peut mettre les mamans dans ces états-là. C'est la même chose. Ne donnons aucune importance aux sorties de Ngossa. Ne mente pas, tu es une femme. Et la femme est censée être la femme de l'humanité. Et la femme est censée diriger un couple et un foyer. Oui, ma belle. On est d'accord. Je viens prendre ma position. Je dis ceci. Viens-tu et me demande que ma, tu te bases sur quoi? Pourquoi on argumente? Moi, je ne dis pas, je ne donne pas de l'importance à Ngossa. Vous connaissez ma position avec Ngossa. D'accord. Moi, quand je viens parler ça, c'est moi, je ne regarde pas Ngossa. Je regarde tous les efforts de Mafo que j'ai vus depuis des mois et des mois ici. Ça fait un an qu'elle bat campagne. Maman, ça souffre de rien. Ah, c'est pas au dernier village que ça souffre. Ça souffre de rien, ma. Oui. On est en bain. Tu comprends, okay. Non? Et les gens évitent les scandales. Ça, c'est le parler par rapport au scandale que ça peut créer sur cette soirée. Tu comprends? Moi, je ne parle pas. Tu n'es pas dans le cœur des gens et ce n'est pas n'importe qui vient. Les gens viennent des États-Unis, de partout et les grandes personnalités. On est d'accord? On est d'accord. Et il ne faut pas que la ville... Et ça, c'est quelque chose de réel. On est d'accord? On est d'accord. Voilà. Moi, je me dis, si n'importe qui veut répondre à Ngossa, ça, c'est clair que nous tous, on va répondre. Tu comprends un peu, non? Mais laissez ce mauvais vent que Ngossa avait amené pour douter des personnalités. Parce que chacun préfère ça à son image. Tu comprends, non, maman? Je ne te coupe pas, maman. Je te coupe pas si tu peux. Tu viens de dire un truc important. Laissons le mauvais fond que Ngossa veut apporter pour faire douter les personnalités. Attends, tu viens de dire un truc important. La seule personne qui peut entrer dans cette boue en répondant à Ngossa, c'est Mafo. Toi et moi, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Maintenant, si les autres, toi, tu ne peux pas arrêter les faux profils ou la Lyonne ou n'importe qui autre de clasher Ngossa. Si ça, maintenant, écoute-moi bien. Si maintenant les filles veulent sortir parce que leur page est monétisée, sans oublier que depuis que les pages sont monétisées, les gens font du n'importe quoi. Ça, c'est clair. Si maintenant les filles veulent sortir et que ce n'est pas au nom de Mafo et que Mafo ne répond pas à Ngossa pour nuire à sa soirée, tu crois que si Ngossa veut clasher Mafo, t'as le clash, mais Mafo ne lui répond pas. Au contraire, la chose que moi je te dis de dire, c'est de conseiller Mafo. Ne répondra pas et Ngossa ne se base pas sur Mafo pour vouloir attaquer Mafo. Voilà, si Mafo ne lui répond pas, et qu'elle passe derrière les autres. Attends-moi, maman. Écoute-moi, ma chérie. Arrête-toi, parce que ce que tu viens de dire là, moi, je me dis que tu n'as pas écouté le live de Ngossa. Non, je n'ai pas besoin d'écouter parce que Ngossa cherche la Libye. Non, j'ai écouté une partie. J'ai écouté une partie chez Nancy. Le live, Ngossa cherche depuis à clasher Mafo. Ça fait 2 semaines qu'elle a dit. Votre mafo a dit ici là qu'elle n'envoie pas les gens clasher.
Ouais, Marco, t'as. Tu as caché Marco. Tu te rappelles quand Marco a tapé sa photo au sol? Oui. Elle est sortie, tu dis qu'elle ne va pas clasher Marco. Oui, moi, mais c'est parce qu'elle n'avait pas d'alibi à ce moment. Elle était consciente. Tu sais qu'elle m'a chérie. Elle est sortie, elle a cassé la photo, non? Non, Catherine, excuse-moi, Catherine. Tu sais que quand tu commets un acte, Gossa est entrée, Gossa était consciente qu'elle est vraiment partie dans les laves où on insultait la mère de Mafo, elle a partagé. La réaction de Mafo, instantanée, je suis sûre qu'au fond, elle a pris du recul, ça l'a un peu choquée, j'ai dit Gossa. D'accord. Ça l'a un peu choquée. Que c'est pourquoi elle a pété réfléchi, elle a dit que je ne sors pas sur ça. La seule personne qui peut gâter sa soirée, je te le dis encore, c'est Mafo de répondre à Gossa. Quand Gossa va sortir clasher Mafo et que Mafo ne lui répond pas, ma chérie, le 2 novembre ne sort pas de rien. Elle a dit qu'elle va clasher Mafo, Mais elle a dit qu'elle, si la lionne, si une abeille, elle a dit qu'elle, si une abeille à l'instant T, elle a dit qu'elle, à l'instant T. Elle vient de découvrir qu'elle est Priscaline, donc Priscaline qui l'insultait tous les jours, était avec Mafo. Elle a abeille, mais elle sait que Priscaline a abeille depuis. Ça, c'est une mytho. Elle sait que Priscaline est à bête depuis. Oui. Est-ce que c'est une histoire de vie? Elle a dit que oui. Tim Bopi prononce son nom. Oui. Passe à Mbopi, qu'elle va répondre. Ça, ça m'est. Oui, mais c'est tout à fait normal. Elle n'a qu'à insulter et répondre à Mafo comme elle veut. Si Mafo ne lui répond pas, c'est vu et ignoré. C'est vu et ignoré. Ça ne va aller nulle part, ma chérie. Puisqu'elle est ma banque, on a déjà parlé de la même chose. C'est la soirée de Mafo et Mafo doit préserver sa clientèle et son image et son honneur. C'est clair. Gossa est en train de passer, on appelle ça, elle est en train de passer. Donc elle profite des subalternes comme les Priscaline ou les Lions pour venir clasher Mafo. Qu'elle aille tout droit au but. Est-ce qu'elle est King Kong, non? Hein, maman? Elle est King Kong, non? Pourquoi elle ne parle pas les petits gens pour voir que s'ils m'ont prononcé depuis des années que mon entier est en train de caricaturer Mafo? Est en train de parler de la mère de Mafo. Pourquoi ne dit pas à mon entier aura d'arrêter? Mafo est sorti ici, dit que si mon entier me parle encore, je vais clasher votre patronat. Mafo la méprise. C'est pourquoi je dis que maman, ne mettez pas les organes. La seule personne qui peut garder. Quand même, tu sais qu'elle m'a. Oui. Moi, ce n'est pas question d'organes. Quand je mets les organes, je dis que j'ai mis. Moi, je ne veux pas que ce piège que Ngossa en train de vous tanguer là, que vous tombez. Elle n'aura rien qui va tomber, dis donc, pardon. Elle a quel contenu? Quelqu'un chaque jour dans la cuisine, elle n'a même pas un contrat dans la cuisine en train de préparer. Dis-les qui vont l'écouter. Vous allez même gâter la soirée là, comment? Alors que quelqu'un a pris toutes ses précautions pour être élevé. Ça, c'est même les bâtis, non, dis donc. Ce qui me choque, si c'est Catherine. Je vais lancer mon live pour parler, ma. Si tu as fini de parler, ma mère, c'est pas qu'il t'échappe. Moi, maman, je ne parle pas. Parle même, je t'écoute encore. Je ne parle pas. Je suis rentrée du travail, je t'écoute. Parle-vous que Cathy Chou est malade, je mets les organes. Cathy Chou ne parle pas fort, pardon, ne parle pas trop fort. Et ne mets plus les organes, maman, vraiment. Non,